Bienvenue à Rotorua. Cette ville est connue pour sa culture maori et ses sources d'eau chaude. L'ensemble de la ville est construite sur une source géothermale. On va donc y trouver des soins thermaux, mais aussi des lacs d'eau chaude. Qui dit source géothermale, dit soufre. Et qui dit soufre, dit que tu vas souffrir du nez. Car le soufre, ça sent l'œuf pourri. Heureusement pour moi, il y a un peu de vent qui permet de faire partir la vapeur d'eau. De Rotorua ont basé leur économie sur le tourisme. Ils proposent des visites de leur village particulier. S'il y a bien des personnes qui ont réussi à utiliser les sources d'eau chaude à bon escient, c'est bien eux. Are we all here? What do we use this pool for? Cooking our vegetables, folks. For 5 minutes, taken out, popping into cold water to stop the cooking process. Elles peuvent servir directement de chauffage dans les maisons. D'eau chaude pour se laver, faire la vaisselle et même pour cuisiner. C'est toute une expérience de visiter ce village et d'en apprendre plus sur la culture maori. Car dans les autres villes, ils ne s'exposent pas beaucoup au tourisme. Après la visite du village, un spectacle typique maori nous attend dans le centre de celui-ci. Un show de musique et danse, et également de haka, le chant traditionnel des maoris qui est utilisé de nos jours par les rugbymen avant chaque match. Oh!
bienvenue dans le parc Redwood à Rotorua. Alors, comme le dit le nom, c'est un parc rempli de séquoias, comme il y a tout autour de moi. Et ils sont très gros et très grands, enfin surtout grands ici. Ils sont pas très très gros, ils étaient plus gros à l'entrée du parc. Ici, ils sont un peu plus petits. Mais bon, ils sont quand même pas aussi grands que ceux qu'il y avait en Californie, dont le fameux général Sherman, qui est au passage le plus grand arbre, enfin l'arbre le plus volumineux au monde. Ici, ils sont un peu plus petits, mais ils sont quand même gros comparés à des arbres normaux. Par exemple, lui, voilà, il fait presque ma taille. Il est quand même gros. Mais c'est pas le plus gros, il y en a certains, par exemple, ils font 3-4 fois ma largeur. Ici, ils sont un peu plus petits. Mais c'est très joli, c'est très paisible comme endroit. On est juste à côté du centre-ville, mais on dirait pas du tout en fait. J'ai l'impression que les arbres, ils captent tout le son de la ville pour laisser juste les petits bruits des petits oiseaux qui s'amusent à vadrouiller entre les arbres. Oui, je suis poète, parfois.